Hop, y'a plein de satellites, c'est bon. Elle est en route? Yes! Vas-y, go! C'est bon, on l'a versé. Sur la chaîne de la MCB29. Aujourd'hui, vidéo très très spéciale. Aujourd'hui, première vidéo de la série Two Wheels. Et pour commencer cette saison très très spéciale, quoi de mieux qu'une journée de roulage à La Ferté-Gaucher. Circuit de La Ferté-Gaucher. Le circuit de La Ferté-Gaucher est assez unique en France car c'est le plus grand d'Île-de-France pour commencer. Ensuite, ce circuit se décompose en deux tracés différents. Le premier, plutôt technique,
est composée de 9 virages et s'étend sur plus de 1,6 km. C'est ensuite un tracé plus rapide s'étendant sur 2 km. En tout, c'est un circuit de 3,6 km que David a réussi à exécuter en 2 minutes et 8 secondes. Va-t-il réussir à battre son précédent record ? Bienvenue sur TwoWheels. C'est l'heure, enfin, d'une belle pause méritée. Plusieurs sessions se sont écoulées et ce fut assez cool. Maintenant, on attend l'après-midi pour pouvoir voir ce que ça va donner, si on va pouvoir améliorer les chronos. On n'a pas vraiment fait mieux le matin, mais on a pu redécouvrir le circuit et se réhabituer à certains réflexes. Retrouver ses points de corde, ses points de déclenchement, enfin bref. Versace rich, Jizzy and Beyonce.
Et c'est une fin de journée sur la Ferté-Gaucher. Que retenir de cette journée? Ben tout simplement qu'on a explosé le record avec moins de 5 secondes par rapport au dernier meilleur temps. C'est absolument excellent. Ce fut également une journée très chaude et très ensoleillée. En effet, on pouvait même voir fondre les pneus sur le bitume. C'est vraiment impressionnant. Ce fut également compliqué car de base, ils étaient deux pilotes. Mais il y a l'un des deux pilotes, donc Christian, qui a eu un problème avec sa moto, un problème d'échappement. Et donc il a pas pu faire les autres session, donc voilà, il avait payé la journée, il a même pas pu faire la première session en entier, enfin bref. Et bien c'est déjà la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est vraiment un énorme plaisir de faire ces épisodes de Two Wheels, même s'ils me demandent énormément de temps déjà pour le tournage, et ensuite pour le montage, hein. C'est vraiment quelque chose qui me prend énormément de temps, et j'essaie de m'appliquer au mieux. Le prochain épisode, ça sera sur des 50, je vous en dis pas plus. J'ai les idées en tête, le tournage, ça sera pendant les vacances et l'épisode sortira pendant les vacances et ça, je vous le dis, ça va sortir. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine, allez salut.